Et salut tout le monde, c'est Zonpiece et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rock Kingdom en compagnie de Firecrox et de Elpierre36L. Et de Elpierre36L. Donc la dernière fois, on avait découvert une nouvelle partie de la zone. Donc sur 3, je pense. Ouais, il y a 3 parties. Y a ah, mais dans cette zone, ça raconte des trucs cinématiques. Hein. Putain. Ah, quoi, c'est ça. Et donc on se retrouve ici et il fallait tuer des automates volants. Et moi on va faire ça, puis c'est tout. Par contre c'est où? C'est là. Ils sont en bas les automates. C'est les petites mouches là qui volent. C'est des mouches femelles non? Ah ouais c'est ça. Je suis pas dit, vous m'en savez. Vous avez bien compris le message fils de pute. Ah ouais quand même. L'autre elle est en mini short. Fallait guère. White note. Bah je suis bien en robe moi. Ouais mais c'est pareil, nous on est héros, tu vois. Eux ils sont pas des héros. Elle bugue la quête. GG. Attends, tu fais pas un orage mutique. Pas assez la sortie. What? Ah voilà. Coucou faire cross. Bugue la quête quoi. Ça va faire cross. Ouais. Je comprends pas ce qu'il faut faire mais... Bah ouais moi aussi la tourelle bougeait pas alors pour ça j'ai fait le pied en fait tu sors de la quête là. Après, faut pas faire le pied. Faut pas appuyer sur le pied, c'est pas bon. Ah et après faut faire quoi quand t'appuies sur le pied? Ah elle est là le level 65 ouais. Pourquoi elle bouge pas. Et quand je fais quoi si j'appuie sur le pied? Ah si tu sors de la quête. Et surtout pas ça. Mais en gros faut recommencer. Bah ouais. Ah mais ils font chier avec bugger leur quête de merde là, ces fils de pute là. On peut pas bouger là, je comprends rien. Mais... peut-être que c'est en train de parler. Ouais, mais bref, ça parle pendant bien longtemps. Mais on sait se servir d'une tourelle. Tuer tous les humains. Tuer les humains. Non, mais attends, il met deux ans de blabla pour. Juste pour faire un petit carnage. Ah bah, ça y est, elle bouge là, 65. Ah, 65. Je t'ai défendu, mec. Enfin, mec. Meuf. On sait pas trop petit. Hein. Ouais, y'a un gros sac là qui court dans le couloir. Un gros sac. Gros sac. Allez, on peut pas bouger là, Scott bordel. Je veux utiliser mes pouvoirs. Putain. Vous êtes le pouvoir de la force. Ah. Vous représentez l'Empire. Faut bouger là? Non, faut pas bouger. Non mais faut bouger avec les souris. Ah non. Ouais, faut bouger avec les souris là vu. Ah c'est bon là, ils attaquent. Allez, tiens! C'est bon, tu veux? Ah, quand même! Miaou! Moi, je fais super orage magnétique. Trop bien. C'est n'importe quoi! Pourquoi ça tire des machins? Ça tire des tout laser, tout boule. Utilisez pas, les gars! Non, j'ai pas remarqué qu'on pouvait utiliser 3 capacités. On est vraiment des merdes! C'est nimp! Ça rage, les amis! C'est nimp. J'ai cherché en infiltration. Ça va péter! Infiltration avec la tourelle. Wouah, je suis en train de dead. Tu fais le pire 36L tout craché. Putain, j'étais en rouge. What? Ah, bon, c'est bon, elle a besoin de finir de parler. Le pouvoir 3, il est vachement cheaté contre le pouvoir 3. Ouais, ça fait une grosse protection. Ouais, ça fait un putain de gros machin. Allez. Pourquoi c'est tout? Ouais, je vais attaquer là. Il va faire les jeux de long, les amis, c'est très important de faire le jeu de long. D'ailleurs, j'ai eu une clé de Valkyrie en faisant des de long. Allez, enfin, mon clé de Valkyrie. Bah, c'est de la merde en machine un peu. Hein. Je peux pas dire, mais. C'est de la rire. C'est pour ça qu'ils voilà. C'est pour ça qu'ils se font des montres depuis tout à l'heure en fait. Heureusement que ça se régène vite fait là. Putain, tu peux pas voler là! Un canon super bien que vous avez fait avec vos trucs que vous avez récupéré au supermarché. Netto, ouais, netto. Non, je suis allé chez Ikea. Ok. Lorsque vous vous dirigez vers Walter, vous voyez qu'il. Vous le voyez vous faire signe. L'air très inquiet, Pierre, s'il te plaît. Voilà. C'est incroyable, Zone Peace. À vous tout seul, vous avez sauvé tous nos frères. En les voyant venir faire leur rapport un par un, j'ai su que vous aviez réussi. Vous annonce Walter. Putain. Avec beaucoup de gratitude. De notre côté, nous nous en sommes tenus au plan.
La mitrailleuse électromagnétique n'a pas subi de dégâts et a fini pas et a fini de recharger. Elle peut maintenant être utilisée à tout moment, mais apparemment c'est de la merde. Il est maintenant temps de riposter, éliminant tous ces automates avec la mitrailleuse électromagnétique. Technicien, vérifier l'état de la mitrailleuse. Juste regarder un truc avant. Je suis à combien? Je suis à 118, ça, ok. L'état de la mitrailleuse. Rapport, chef d'escouade. La mitrailleuse est en bon état, mais comment ça? Qu'est-il arrivé? Faisons-en fait. Nous ne pouvons désormais porter que des attaques électromagnétiques de base. Ah, c'est pour ça. La dernière cartouche de la machine est encore en cours de modification. Nous sommes déjà débordés. De plus, lorsque vous étiez coincé dans le puits, notre pilote de la mitrailleuse électromagnétique a été blessé. Maintenant, plus aucun soldat ne peut utiliser la machine pour le combat. Quoi? Il n'y a donc personne pour faire fonctionner cette mitrailleuse? Moi, je peux. Mais si je le fais, il n'y aura plus personne pour modifier les cartouches de chargement. Et si la machine n'a pas assez de puissance, elle pourra ne pas détruire le plus grand nombre d'automates. Lorsque nous étions à la fois des deux chutes, n'avions pas repoussé les automates des nains auparavant et en est ressorti champion. Mais j'imagine que vous pouvez également faire fonctionner cet appareil électromagnétique. Vous a demandé Spyro à voix basse après avoir regardé la mitrailleuse électromagnétique. Ainsi, vous avez dit à Walter que vous pouvez essayer d'utiliser la mitrailleuse électromagnétique, mais il vous faut une explication détaillée. Zone Peace, encore vous, Zone Peace. Dites-moi vite ce que vous voulez savoir. Mon Dieu, mon sort est maintenant entre vos mains. Pas attaqué. Vous mettez. Vaincre Exterminateur 2. La maîtresse électrique est déjà rechargée. Vous décidez donc de suivre le soldat. Ensuite, vous allez commander. Si vous voulez, la machine. On peut pousser. Ok. Les ennemis vont vous attaquer de tout cas. C'est quoi cette merde là? C'est ça la mitrailleuse? Oui. C'est de la merde, tu verras. Tu vas bien aimer le gameplay. Mais on t'attend. Je vais m'endormir, mec. Ça dure un petit moment en plus. Alors, je viens de finir. En tout cas. Trop B1. Trop B1, ouais. Pas essayer la sortie. Oh, on peut sortir. Non, t'as pas. T'as pas, faut que t'abandonnes la quête et faut que tu l'envoies pas. Ouais. Bah oui. Pourquoi vous avez fait de pied, bande de cons? Je sais pas, moi je crois que c'était pour faire bouger la tourelle. Mais non, vous avez écrit par ici la sortie quoi. J'ai pas râlé, moi, ce qui était écrit, moi. Je m'en fous, moi. Je vais faire bouger la tourelle, moi. Nous avons gagné. Wouhou. C'est long. Ouais. C'est la fête au village. Ouais. C'est trop bien. Bon, c'est bon. C'est bon, je peux attaquer? Non, tu dois attendre un petit moment avant d'attaquer la première fois. Super orage magnétique. Vas-y, j'ai tué le truc à côté. Bon, je... C'est trop bien. J'avais un super pouvoir. Tu peux bouger. Tu peux bouger, tu peux sortir la quête si t'as envie. En plus, ça... Et ça approche. Tire. Non, tu peux pas. Si, je tire avec le 3, boum. Voilà. Si, voilà, je peux tirer. Putain. C'est où que t'es nul? Triche. C'est quoi ces bruits pourris là? Ouais, mais je peux faire que le 3. Quel bruit pourri. Bah, dip, dip. Je sais pas. Boum. Putain, mais oh, c'est chaud hein. Ils sont près de toi, hein, les gars. Et les autres, ils nous regardent faire, tu sais. Je vais crever! Je vais crever! Non, tu meurs pas. Tu peux pas mourir. Ah bon? D'accord. Je crois que tu vas perdre, mais non. La bille bouge plus, évidemment, ça te rajeune d'un coup. Hein. C'est... Mais il pourrait pas faire un genre un truc où t'es... les ennemis tapent moins fort, mais tu peux pas mourir. Tu peux mourir quoi? Non. Quoi, le jeu va être trop dur pour les enfants. C'est trop dur, bah. Kiko, ouais, ils aiment pas. Ah, regarde, j'arrive à le cut. Et après, bah, il m'aura vraiment de bombe. Ouais, t'es Piggy combien? Piggy Free? Non, mais Piggy 0 en fait. Boum! Piggy 0. Piggy 0. Mais en fait, suffit de spammer jusqu'à que t'es fini. Mais oui! Ouais, pour ça, j'ai fait mon dormir, moi. That's gameplay! Même que le 2T est plus attrayant. Ouais, là, franchement, ouais! Ok, mais à la fin ça meurt tout le monde. Bah oui, c'est la base. Ouais, en fait on fait ça pour rien. Voilà.
Parce qu'on est des BGM. Ah, mais d'accord, il y a le gros sac qui est arrivé. Le gros sac, quoi. Putain, mais il est énorme. Tot énorme. Ah, mais attendez, je crois que j'ai pas la musique d'activer. Je me demandais pourquoi j'avais pas de musique depuis tout à l'heure. Voilà. Ça va aller, ok. Mais c'est tout ? Soda ont installé les plus efficaces contre les ennemis les plus puissants. Toi, votre équipement de combat ajusté, 4 compétences. Mais trop. Aïe. Faut tuer le gros. Là, je joue à souris. J'ai la peine de jouer au clavier. C'est ce que je faisais des fois dans Star Wars. Je jouais qu'à la souris. Genre contre des boss et tout. Pour la flemme. Là, j'ai envie de me poser sur le canapé. Pour ranger le PC sur la télé. Le boss de fin ultra easy, tu fais bouclier et puis après tu tapes. Oui. Après, tu spammes quand même un gros peur. Hein. Comme ça. Et ouais. Tat. Vous avez marre des jeux trop durs. Allez, sur Akidom, le jeu le plus easy du monde. C'est sûr. Enfin. Easy, il y a des boss qu'on en a bien chié en instant. Ouais, instant. Mais elle veut en solo quoi. Ouais, mais même on joue à 3 quoi, alors qu'il faut jouer à 5 normalement. Mais bon. À 5, il y a plusieurs qu'on défonce 40 facile. Ouais. Si, moi je te jette du poison. Parce que voilà, je fais de la gueule au cam. Ah bon? Ah ouais. C'est la base. La base. Non, c'est la salle. Tu veux aller passer une autre plaquette, hein? Putain. Ouais. L'histoire était que tu étais une tourelle. Ah, c'est bon. Vous avez réussi à aider Soda puis à se défaire des automates enragés. Vous devriez en profiter pour retourner au bastion provisoire du puits asséché et prendre un peu de repos. Ouais. Là. Bien chef. Et on en a combien de temps là? Un quart d'heure. Zone Peace, je dois admettre que vous manœuvrez vraiment bien la machine. Je m'imaginais pas que ce dispositif était aussi puissant. Et qu'il pouvait éliminer la majorité des automates si facilement. Au début, je croyais que la basilique avait juste envoyé ça ici pour nous faire plaisir. Ouais. La situation est stable pour le moment, mais si nous n'arrêtons pas la production d'automates des nains de Taffé... Aussi stable qu'un jeu de Ubisoft. Mais si... Si nous n'arrêtons pas la production d'automates des nains de Taffé... De Taffé. J'ai bien peur que les choses se compliquent à nouveau après un certain temps. Dirais bien. C'est marrant. Je vais mourir. Le problème est maintenant... Qu'est-ce qui se passe là? Ça claque les portes. Le problème est maintenant réglé. Je vais donc Là, j'ai ma harpe cassée, mec. Je vais donc congédier les soldats. Le commandant nous a ordonné de nous entraîner au combat pour affronter le chevalier noir. Si vous voulez bien arrêter de taper dans tous les sens, les gens, là. Nous devons nous y remettre et nous charger également des autres préparatifs. Sunpiece, voulez-vous nous accompagner à la forteresse et retourner vous à Navia? Vous dites à... Attendez. La phrase, elle commence par « Dites à Walker que... » J'avais pas oublié un petit peu le sujet dans le verbe. Vous dites à Walker que vous voudriez aller au nord pour enquêter sur les problèmes liés à la production d'automates. Tenu par les nains et vous lui demandez s'il y a quoi que ce soit d'important que vous devriez savoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mutation de la forêt sans souci, je vous suggère d'aller dans la forêt d'épineux au nord. Vous devriez y trouver la patrouille que nous avons envoyée.
Le patrouilleur dénommé Vincento devrait pouvoir vous renseigner sur le village des nains. Ok, accepted. Et ben on va passer à la deuxième partie de la zone. Enfin, deuxième partie de la partie de la zone. Ouais. Quelqu'un a compris ? Non. Ça va, je l'écoutais pas. Ok, c'est normal. Voilà. La fois est où ? Lec ! J'ai merdé, Lec ! Faut aller au rocher là. Franchement. Vous me dites jamais la route, je suis là. T'as un problème dans cette tête là, vas-y. Dites-moi la route, je suis là. Réparer tout. Qu'est-ce ici? Ah, mais c'est l'endroit, la dernière fois je m'étais perdu. Peut-être. Si, la dernière fois je m'étais perdu, je m'étais retrouvé ici. Tiens, l'abonné mystère. Un abonné mystère. Pardon. Ça. Attendez, je vais dire bonjour. Communauté. Bonjour. Dire bonjour, des bonjour, des bonjour. Ça fait un moment que l'avais pas vu, déjà. Ah, mais je voulais dire bonjour en fait dans le jeu, moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, voilà. Bonjour. Coucou, bande de. Fuck, j'ai encore ce message. Fuck. Tu m'avais pas dit bonjour encore. Non. Tac, et je vais. C'est au bout de 3 épisodes. Oh bah bonjour en fait. Bon non. Hop. Épluché les Allemands. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai flippé parce que juste avant on avait tourné Minecraft et du coup là j'entends des trucs qui font pshh, comme ça. J'ai fait Creeper. Non, non, c'est pas Creeper. Calme, calme, calme. Comme toi, on est plus sur Minecraft. Ouais. Et pourquoi des creepers? On n'est pas censé tourner avec des mods où il n'y a pas de créatures méchantes? Hein? Alors, Non, mais en fait, on a rajouté un mode, c'est le monde des pédobis, et voilà quoi. Non, c'est Vincent qui fait ça. En voyant la grimace que fait Vincent, c'est laissant tomber à genoux. Vache. Il fait une bonne grimace là. Vous vous précipitez vers lui pour lui demander ce qui s'est passé. Vous êtes venu avec des renforts. Vous allez dire, mais je crois que je suis empoisonné. La fameuse manette. J'ai juste. Gratiné. La même manette mystère. J'ai juste. Et toi, tu ne passes pas en jouant ta manette. Hein. Ah, dès que tu ne feras marcher ta mallette. Il y a 50 000 $, tu sais, au cam. J'ai juste été égratigné par des épines venimeuses sur le côté, mais je ne pensais pas que le poison pouvait être aussi violent. Bah ouais, c'est poison. Il est pas un peu handicapé, ce mec, dans sa tête. Oh putain, des poisons! Oh, je pensais pas que ça faisait mal. Faites attention aux épines, elles peuvent être empoisonnées. Elles peuvent être irritantes et douloureuses et peuvent vous faire perdre toutes vos forces. Ah bon? Mais c'est la description du poison en fait. Des intoxications. Heureusement que vous êtes là. Autrement, je ne sais pas combien de temps il aurait fallu avant que la forteresse n'envoie quelqu'un pour prendre la relève. D'ici là, il se peut que je ne puisse même plus bouger ou alors que je me fasse dévorer par des créatures et soit laissé mort. Pourriez-vous m'aider à récupérer de quoi neutraliser le poison? Je vous dirai ce qu'il faut faire. On dirait que cela a demandé beaucoup d'efforts à Vincent de prononcer ces quelques phrases. Vous avez proposé votre aide à condition qu'il vous dise clairement quoi faire. Aux alentours de la forêt, située non loin d'ici, se trouve une variété de lézards résilients. Dans la peau secrète du mucus. En fait, ce connard, on devrait laisser crever, nous fait perdre du temps. Pierre, la peau secrète du mucus est capable de neutraliser le poison. Tu peux pas dire, c'est la peau, tu vois. C'est le mucus. Cela les empêche de se faire empoisonner par les épines venimeuses. Si vous pouviez obtenir de la peau de lézard résilient, je pourrais récupérer. Et ça m'a soigné. Logique. Je pourrais ensuite en récupérer le mucus afin de neutraliser le poison. Faites attention aux épines. Ah merde. Lézard carnivore. Bien que le poison provenant des épines ne provoque pas une mort instantanée, il y a beaucoup de lézards dans la forêt. Une personne incapable de bouger et comme de la nourriture servie sur un plat à leurs yeux. Pour éviter de me faire attaquer par les lézards avant que je sois complètement désintoxifié,
Puis-je vous demander de nous débarrasser des lézards qui rôdent aux alentours? Oui, tu peux pas lui donner une corde, puis comme ça on avance l'aventure. Ouais, ça serait plus vite. Ouais. Bon. Tu penses que lui il va crever comme un con plus tard. Pierre, c'est un jeu. Comme ça, voilà, il meurt pas. Ouais, c'est pas marrant comme. Bon, allez, je vais récupérer le mucus. Vas-y, j'en ai pas le mucus, moi. J'ai terminé la quête du mucus. C'est trop bien. Faut battre des crocodiles. C'est trop bien. Crocodile. Attention aux épines. Elle peut être empoisonnée. Elle peut être tentée douloureuse. Attention, le poisson peut être douloureux. Ah bon, alors, tu veux une désintox ou un lézard carnivore dans ta gueule, PD? C'est moi, ça lag. Notice. Je sais pas. Attention. Notice, attention aux épines, elles sont empoisonnées. Je sais pas, genre t'entends laguer en fait. Allô, appelle. Allo, oh bah non, oh le panneau! J'entends une pégée aussi, c'est moi qui donne. Oh, c'était quoi ce lag là d'un coup là? J'entendais un lag pégée, y'a du coup, je sais pas. Voix de robot! La voix de robot! Au revoir, je m'appelle Jimmy le robot! Quoi? Ah, j'ai mis ma voix de robot là? Un tout petit peu, mais ça s'entend à peine. Ok. Mais si, moi je le dis, c'est vraiment robot toi. J'ai mis le robot, c'est quoi? Je sais pas, mais voilà, faut inventer un truc. Voilà, un truc qui sort de l'imagination de la tête de Pierre. Ouais. Putain, mais il en sort de conneries là-dedans. Ah bah putain. Si tu savais. Il n'y a jamais de conneries. Que de. C'est pas l'idée. À la bonne heure. Bien sûr. J'aime pas l'or. C'est pourri l'or. Battez les lézards ici, hein, pour obtenir des lézards perdus. Pou des lézards. Faut obtenir de la peau dure. Ça donne du mucus, mais dis donc. C'est vraiment des pervers ce qu'on fait ce jeu. Il y a vraiment des propos franchement pas très appropriés à ce jeu qui est Peggy Free. Donc il devrait mettre quand même Peggy 16. Peggy 12 même. Karma sommaire, la ville des pervers. Ouais, y a des pédophiles et y a des. Y a des zoophiles. Ah, je me rappelle quand j'ai vu le titre, je me suis dit, what the fuck. Ah, bah attends, mais tu savais pas que dans Pokémon il y avait des zoophiles, Pierre? Si, j'ai regardé l'épisode et j'ai compris pourquoi, ouais. Oh, oula, gros lag. Moi je. Ah, l'autre fait lag du cul. Ah, Pierre robot, Jimmy le robot est de retour. Jimmy le robot, bravo, tu vas y prendre. Si vous cherchez des acteurs, voilà. Voilà. J'aurais peut-être fait une courte ellipse, alors si vous comprenez pas, bah en fait j'ai eu une perte de connexion, du coup ça cause des films de. Merde, t'as coupé mon truc. Sœur, télécharge. Et donc Pierre recherche quelqu'un pour. Enfin. Si quelqu'un pour le propulser au devant de la scène. Je veux que le site, qui ouais, mais non, mais... recrute, ouais. Voilà. Je veux que YouPorn le propulse en haut de la scène pour que. Bah, pour faire acteur professionnel de simulation de voix. Voilà. Et puis moi je ferai caméraman. Mais moi je ne tomberai pas dedans. C'est vrai, c'est toi qui vas gicler en premier. Avec des caméraman. Non. Non. De toute façon, moi, je ferais plus les voix, je t'en aurais pas dedans. Moi, en partie, je ferais commentateur. Alors là, vous voyez un super cunnilingus. Et là, c'est la pute, il rentre dedans. Et la peau. En plein dedans. Comme une cuillère commentateur de foot. En plein dedans, et oui, ça va sortir, ça sort, et ça sort. Il arrive à son apogée, attention, il passe à travers la fougère, et c'est le but. Et c'est bon. Et en plein sur la gueule. Une frontale. Attends, c'est dans quoi j'avais dit ça? Une frontale. T'as une je sais plus. Alors là, je sais frontal. Attends, j'ai dit ça.
C'était pas pour un équipement. Non. Putain, non, c'était serre de tête. Serre de tête. Ah non, c'est quand je jouais Darksider. Hein? Je m'énervais, j'avais que de frontal, ça me saoulait le machin. Ouais? Je sais plus pourquoi je disais ça. C'est quoi ce jeu là? Darksider. Vincent s'agenouille lentement et reprend son souffle. Vous avez donné la peau des airs résilients à Vincent. Cela devrait suffire à désintoxiquer le poison. Désintoxifier, pardon, le poison. Après avoir retiré la peau de lézard peau dure, Vincent a du mal à extraire le mucus. Oh, dégueulasse. En voyant cela, vous l'aidez à écorcher la peau et vous lui appliquez le mucus à l'endroit où Vincent était gratiné par les épines venimeuses. Alors là, franchement, soit j'ai très pervers, soit voilà. Bah, après, moi je dis que t'as un esprit vraiment très pervers. Après, voilà, la science infuse dit. Bah, attends, il écorche le mucus, non, la peau, et elle lui applique le mucus. Alors, attends. Voilà. Après quelques instants, Vincent a l'air d'aller mieux. C'est connu. C'est une version naturelle. C'est connu. C'est l'histoire de l'amour avec les plantes. Ah, c'est connu, le mucus est très bon pour la santé. Ah, bah oui, même pour la peau. Et oui, ça évite les rides. Je me sens beaucoup mieux maintenant, même si ça prendra un peu de temps avant que le poison ne soit complètement désintoxifié. Merde, il est où, je le vois plus. Moi aussi, il désintoxique. Il n'y a maintenant plus aucune trace des lézards, quel soulagement. Je ne veux pas servir de plat principal à ces lézards. Tu putes tellement de la gueule qu'il il va me falloir encore un peu de temps pour être débarrassé complètement du poison, mais j'ai bien peur de devoir retourner à la forteresse avant cela. Étant donné que la situation, c'est déjà pas mal si on peut rester en vie. Sans parler de l'enquête. Vincent essayant de se donner du courage. Zenpeace, j'aimerais avoir votre avis. Si la mutation de la forêt sans souci est entièrement causée par les nains de Tafès, alors peut-être que la forteresse devrait entreprendre une négociation éprouvante. Autrement, nous devrons envoyer nos forces militaires au village des nains tôt ou tard. Vous êtes d'accord avec Vincent? Si la mutation de la forêt est causée par les nains, alors peut-être que la forteresse Nodak devra envoyer des forces militaires au village des nains. Même si vous devriez éviter cela. Quelle que soit la décision, notre armée passera par ici en temps voulu. Comme vous pouvez le voir, la forêt d'épineux est remplie de plantes vénéneuses. Seuls les automates des nains et les lézards peuvent évoluer librement ici. Débarrassez-nous d'abord des plantes vénéneuses présentes dans la forêt. S'il faut vraiment que nous attaquions le village des nains à l'avenir, nous ne serons alors pas ralentis par ces plantes vénéneuses. Eh ben, on fera ça la prochaine fois. Bien niqué, regardez, je fonce dans les épines des plantes vénéneuses, j'en ai rien à foutre, je prends du mucus. Tu seras obligé de mettre la mucus dessus après. Donc on se retrouve lundi pour le prochain épisode de Rakim Dom en compagnie de Faire Cross et Del Pierre Tanticelle. Salut.